Bonjour, mademoiselle. Vous m'avez fait peur. Vous ne répondez pas à mon bonjour. Vous êtes un monstre, vous m'avez fait peur. J'ai besoin d'un peu d'amour. 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 Il faut savoir que 90 jours pour le vol, un jour pour le grand patron, et le jour où on va t'attraper, ça va sentir pour toi. Ça va sentir pour toi. Ça t'amènera où? En prison, en Guantanamo. On va te prendre, on va te renvoyer. Arrêtez vos histoires là, n'importe quoi. Tu devais avoir une conscience. Ceci au moins pour tes parents. Et de montrer de bons exemples à tes frères, à des Africains. Une fille sous les ailes de ses parents a devant elle une épreuve linda. Elle doit être obéissante et garder les conseils de ses parents. Tu es intelligente, tu es aussi désirable. Linda, et ton cœur est rempli de tendresse et de sincérité. Sois sage, Linda, protège ta beauté, ne te laisse pas ruiner par les hommes, Linda, préserve ta vie, oh, tu seras gagnante et réjouiras le cœur de tes parents. Bonjour, mademoiselle. Vous m'avez fait peur. Vous ne répondez pas à mon bonjour. Vous êtes un monstre, vous m'avez fait peur. N'ayez pas peur, jolie demoiselle. Comment faites-vous pour porter cela? Vous êtes un monstre. Vous avez une super force. Je ne suis pas un monstre malveillant comme vous le pensez, mademoiselle. Je suis un monstre laborieux et bienfaisant. Mais arrêtez d'avoir peur. Je suis un homme normal comme tous les autres. Et chaque jour, du soleil levant au soleil couchant, je me mets au service des uns et des autres en travaillant durement pour le bien-être du peuple. Yahweh Sitaya, mademoiselle, j'ai soif. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un verre d'eau? Dans le cas contraire, dites-moi non et je vais vous foutre la paix. Non, ça va. Yahweh Sitaya. Tenez, s'il vous plaît. Merci, mademoiselle. De rien. Yahweh Sitaya. Gentile, la sentence de délivrer. Gentile, la sentence de délivrer.
Merci une fois de plus. Avec plaisir. Comment vous vous appelez, mademoiselle? Marie. Marie Dubois, et vous? Le doux paradis. Le messager de la paix et d'amour. Au revoir. Enchanté. Prochainement. Au revoir. Yahweh Sitaya. Regarde, maman, un rideau avec des chats. Ah oui, c'est chouette, mais qu'est-ce que c'est? Un tapis de douche et un rideau de douche. Ah oui, c'est mignon. Pour cela, qu'est-ce que tu penses, maman? Cela ne fait pas longtemps que nous les avons achetés, donc il faut attendre encore un peu, car les nôtres ne se sont pas encore abîmés. Ok, maman, comme tu voudras. Je vais aller faire les courses. Oui, d'accord, hein. Tu as besoin de quelque chose? Oui, peut-être du tomate pour ce soir. J'achète combien de tomates? 6 tomates. Ok, maman. Ma petite chérie, prends soin de toi et sois prudente en route. Ne t'inquiète pas, maman. Je ne suis plus une petite fille. Tout va bien se passer. À tantôt. Ok. Yahweh Sitaya. Lorsqu'on est étranger dans un pays, on ne fait pas ce qu'on veut. On respecte les règles établies par les dirigeants de ce pays. Tes parents t'ont envoyé en Europe pour faire les études et arrivé en Europe, tu as plutôt fait le contraire et choisi la voie de la facilité en allant en route, arracher les sacs en main des âmes faibles. Mais tu le regretteras car il y a beaucoup de jours pour le voleur, mais un jour pour la police et un jour pour la condamnation. Yahweh Sitaya. Parfois, nous empruntons un chemin et nous nous trouvons au mauvais endroit, au mauvais moment. Et notre perception extrasensorielle, notre sixième sens, nous dit que quelque chose ne va pas. Et notre cœur nous dit que nous reculons ou que nous avançons, rien ne doit changer. Et ainsi, nous continuons notre marche. Thank you.
Monsieur, qui êtes-vous? Je suis le doux paradis, le messager de la paix et d'amour. De quel droit vous vous permettez d'arracher en route le sac en main de cette fille? Je suis désolé. Franchement, je n'ai pas voulu faire ça. Je suis désolé. C'est tout ce que j'ai pris. Remettez-moi vite l'argent que vous avez retiré dans ce sac à main. Vous profitez de la faiblesse de cette fille pour arracher son sac à main. Vous n'avez pas honte? Mais sachez qu'il y a beaucoup de jours pour le voleur, un jour pour la police et un jour pour la condamnation. Je suis désolé, c'est tout ce que j'ai pris. C'est quoi ces histoires? Ce n'est pas possible. Attends, ça t'amènera où? Ça t'amènera où? En prison, en Guantanamo. On va te prendre, on va te renvoyer. Arrêtez vos histoires là, n'importe quoi. Toi tu ne trouves qu'à voler, arracher les sacs, c'est comment? Mais il faut savoir que 90 jours pour le voleur, un jour pour le grand patron, et le jour où on va t'attraper, ça va se t'amener de quoi? Ça va se t'amener de quoi? Normalement tout le monde va venir en même pour réaliser son rêve. Parce qu'il y a des gens qui sont au Cameroun, ils auront un bon salaire, parce qu'il n'est pas encore venu ici là, le gars ne peut pas économiser l'argent. Moi-même avant de venir, je croyais que j'allais cueillir l'argent en route, mais maintenant compte que c'est l'argent qui va me cueillir. Seigneur Dieu, pointage. Je suis africain, je m'adresse à ceux qui partent de l'Afrique pour venir se chercher ici. Mes chers frères, quand nous arrivons ici, la première des choses pour moi, c'est d'abord de s'intégrer. Arrêtons de faire n'importe quoi, parce que ça peut nous conduire très loin. Quand je dis n'importe quoi, on se comprend. Il arrivera un jour où tu paieras, paieras de toute ta vie. Alors, soyons conscients et changeons de mentalité. Marie, tu sais quoi? J'ai ouvert la porte et j'ai vu un espèce d'énorme monstre devant, avec les téléviseurs et une crosse sur la tête. Et j'ai refermé la porte. Vous êtes un monstre, vous m'avez fait peur. N'ayez pas peur, jolie demoiselle. Comment faites-vous pour porter cela? Vous êtes un monstre. Vous avez une super force. Mais arrêtez d'avoir peur. Je suis un homme normal comme tous les autres. Ah non, ce n'est pas grave. Je le connais. Je m'en occupe. Tu le connais? Mais comment tu le connais? Le doux paradis était revenu remettre à Marie Dubois son sac à main volé et lui demanda encore un verre d'eau. Ne prends pas le chemin de la facilité en vendant ton âme au diable. Si tu le fais, à coup sûr, tu le payeras. Car le diable juge ses gibiers sans répit, ni sans remords, ni sans pitié. Ne compte sur personne, compte sur toi-même. Va chercher n'importe quel travail tu fais. L'important est que tu aies au moins de quoi vivre quotidiennement. L'important est que tu aies un salaire, car tout chemin mène à Rome. Et au final, l'argent a les mêmes couleurs. Le respect et l'humilité ne veut pas dire qu'on ne connaît rien. Ou bien qu'on a peur des gens. Au contraire, l'humilité est l'un des facteurs de la grandeur humaine. Critiquer les gens avec moquerie et sans respect, rabaisser les autres méchamment tout en vous mettant en avant, est un acte injuste et sans scrupule. Quand vous êtes humble, quand vous vous rabaissez devant les hommes et les femmes, Dieu vous soulève et vous met plus haut que tous. Car dans son royaume, le plus petit est le plus grand. Car dans son royaume, il n'y a pas de médaille. Ce n'est pas parce que nous avons la liberté qu'on doit faire de n'importe quoi. Ce n'est pas parce que nous sommes libres qu'on doit faire ce qu'on veut. Car il y a une différence entre la liberté et le liberticide. Et ainsi, il y a absolument des limites que nous ne devons pas franchir. Et même la raison a ses limites.
Si nous avons raison et ne savons pas incarner la tempérance en faisant la part des choses, nous perdrons notre raison. Les hommes et les femmes sont tombés au plus bas au XXIe siècle. Plus le temps passe, l'inconscience, la médiocrité et la méchanceté ne font que s'empirer. À cause de l'argent, la gloire, l'injustice, la jalousie et l'orgueil. La méchanceté des hommes et des femmes ont débordé les vases de telle sorte que, entre le bien et le mal, nous ne savons plus faire la part des choses. Les hommes et les femmes ont bafoué les vertus de l'âme et les valeurs morales en portant leur choix sur les conneries et les stupidités humaines, à cause de l'argent, le pouvoir, l'orgueil et la gloire. Et voilà les conséquences, les immoralités, les injustices, les guerres, les haines, les agressions et les souffrances ne font que s'accroître. Nous sommes tous des voyageurs sur la terre et la vie elle-même est très courte. Donc, dans les mesures possibles, mange ce que tu aimes. Ne retiens pas ton sourire à cause de l'orgueil. Prends plaisir à la vie, mais sans nuire à l'autre. En incarnant la tempérance, le respect et la moralité. Car après le beau temps, la pluie et le soleil caniculaires, les hommes et les femmes sont inconscients dans leur séjour au tombeau. Et cela est de même pour ceux qui possèdent la richesse à foison, la gloire et le pouvoir. Ce jour-là, dans leur secret au tombeau, ni exercice, ni conscience, ni raison n'existent plus pour personne. Son dernier souffle, c'est toi. Comment tu peux arriver en Europe, tu te mets à tirer les sacs, à voler dans les magasins? C'est pas bon. Pensez à ceux que vous avez laissés derrière vous. N'oubliez pas d'où vous venez. Parce que eux, ils ont mis tout leur espoir en vous. Quand on arrive dans un pays, l'intégration, c'est la meilleure voie à suivre pour s'en sortir. Ça sert à rien de rester chez soi ou aller dans la rue, agresser les autres. Mon frère, quand tu arrives dans un pays, intègre-toi et tu t'en sortiras. Marie Dubois, contente d'avoir retrouvé son sac à main avec l'argent, elle invita le doux paradis à boire un verre. J'ai besoin d'un peu d'amour. 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 Yahweh Sitaya. Je t'irai, la sentence de délivrer. Dès que je ne crois pas, je t'irai. Sous-titrage Société Radio-Canada.